Le Red XL est un raid de sport, un raid multisport, de pleine nature essentiellement, qui parcourt un peu le territoire landais. Et on essaye au maximum de donner aux équipes une grande diversité de sports. Donc ils vont pouvoir faire du canoë-kayak, du stand-up paddle, du Goliath pour cette année. Vraiment, on est sur un événement en pleine nature, sur le territoire landais. Cette année, nous sommes partis de Léon, avec traversée du lac de Léon en stand-up paddle. Puis nous avons traversé la commune de Vielle-Saint-Giron. Nous avons traversé ensuite l'Itémix, Saint-Julien-en-Borne, pour terminer vers Contis hier. Ce matin, nous sommes repartis de Contis et nous sommes remontés vers Mimizan, traverser la ville de Mimizan pour finir ici au lac d'Oreillan, au cercle nautique de Mimizan. Nous, on a l'habitude, on fait beaucoup de raids. Par contre, on n'a pas l'habitude que ce soit aussi rapide. C'était beaucoup de pistes cyclables, mais bon, après, très plaisant, quoi. Il fallait tout donner sur chaque épreuve. Il faut pas la miner, la puce. Super parcours, super orga. Merci pour les bénévoles, beaucoup de ravito, donc vraiment parfait. Multitude d'activités pédagogiques, multisports. On découvre de plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc c'est vraiment le top. On veut que ça reste un raid assez sympa. Évidemment, c'est sportif. Les premiers qui sont en tête sont là pour gagner, pour essayer de faire le meilleur temps. Mais on veut que tout le monde prenne du plaisir, que tout le monde reparte avec le sourire et que ça soit convivial autant pour les organisateurs que pour les participants. Gros défi physique pour notre team, qu'on a, je pense, su relever quand même pas trop mal. Après, l'organisation, franchement, top. Bon, c'est la troisième fois moi, que je le fais et c'est toujours aussi bien, quoi. On s'est réinscrit parce que pour le prix, l'organisation est au top. Le paysage est vraiment génial. On est vraiment au top pendant 2 jours sur 10 épreuves, c'est génial. Nous avons 40 équipes avec 4 équipiers, donc ça fait 160 participants. Et nous travaillons aussi avec le SSID, le service sport, intégration et développement du département des Landes, avec une équipe de personnes en situation de handicap, sport adapté, qui participe depuis très longtemps au Red XL. Et cette année, ils n'ont pu venir que le dimanche. Mais c'est bon, t'es avec tout le monde. On voulait faire quelque chose un peu d'innovant, qui changeait de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et on trouvait que le Goliath était très sympa, convivial, et ça pouvait être une bonne épreuve de fin. On a des gens qui viennent d'un peu partout, on a des franco-belges, on a des gens de Dunkerque qui viennent, Toulouse, Bordeaux, alors évidemment beaucoup de la région, mais un peu des quatre coins de la France comme on dit.